Bonjour, aujourd'hui on va regarder comment créer une règle qui utilise une disjonction. Donc on prend notre programme habituel qui concerne les vaches, les taureaux et leur relation de parentalité, hein. Et donc on va mettre en règle donc ce qu'on a déjà utilisé par ailleurs. Voilà, je démarre ça, donc qui est la disjonction, donc le OU, pour savoir quels sont les bovins. Donc, pour savoir quels sont les bovins, on écrit ça comme ça, hein. Voilà, vache, point virgule, taureau. Et ça va nous permettre de trouver tous les bovins. Alors, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer donc une règle avec ces deux sous-buts. Donc, hop, voilà, je vais y arriver, je copie. Et là, dans notre programme, donc on va dire que un bovin B est un bovin si et seulement si c'est une vache ou un taureau. Donc on enregistre, on va recharger le programme hein, pour voilà, parce que là si on regarde est-ce qu'on connaît quelque chose à propos des bovins, bah, ça nous dit que non. Donc on va en faire un consulte. Donc de voilà, notre programme il est dans le dossier démo, il s'appelle troupeau. On refait notre consulte, voilà. Et donc on tombe sur la définition de notre prédicat bovin. Et donc là on va de suite on va l'utiliser. Alors qui sont les bovins? Voilà, donc là on obtient bien les six bovins. Est-ce que Tara est un bovin? Oui. Et on peut aussi se poser la question, par exemple. Est-ce que Ericsson est un bovin? Donc pas Eric, mais Ericsson. Voilà. Alors là, j'ai mis des côtes, il n'y a pas besoin, on est avec les atomes. C'est pas un bovin. Alors après, on va regarder une autre manière de décrire ce prédicat. Hein. Donc là, actuellement, la première définition, c'est celle-là. Donc comme on est sur une disjonction, on pourrait aussi écrire ça autrement. Voilà, je fais une copie, c'est dire. On va écrire ça en deux prédicats, en deux clauses, excusez-moi, deux règles. Hein. Donc la première règle, c'est je suis un bovin si je suis une vache, point. La deuxième règle, c'est je suis un bovin si je suis un taureau. Donc là, on enregistre. On va à nouveau charger le. Voilà, on reconsulte le programme, on le recharge à nouveau. Et maintenant, on va regarder le listing. Donc, listing de bovin. Et donc là, on a donc nos deux règles qui définissent le prédicat bovin. Alors, si on réinterroge bovin exactement de la même manière, donc là, je vais faire un copier-coller. Voilà, on retrouve bien nos six bovins. Voilà. Et si on réinterroge de la même manière les bovins, par exemple, est-ce que Ada est un bovin? On nous dit que oui. Est-ce que Bobby est un bovin, on nous dit que non. Donc, on va résumer. Donc, une règle utilisant une disjonction, on peut la représenter de deux manières. Soit notre prédicat, donc il a une tête, un corps, et dans ce corps, on utilise le point-virgule pour faire un OU entre les différents sous-buts. Ou alors, on peut faire deux règles. Hein. Donc, une tête avec un sous-but. Et une deuxième règle, donc avec une tête et un deuxième sous-but. Bah sur ce, je vous remercie beaucoup pour votre attention et je vous dis à bientôt. Au revoir.